Maison des esclaves, c'est écrit là-bas. Une maison des esclaves. La plaque. J'ai vu la plaque. Maison des esclaves. Maison des esclaves, nous sommes à Gboudrafo. Ouais. Voilà. Donc nous sommes dans la maison des esclaves, vous voyez, les fresques touristiques. Nous sommes dans la maison des esclaves. Donc nous avançons vers la maison des esclaves. Vous voyez, la maison des esclaves.
La porte d'entrée des esclaves. Bonjour. Koti. C'est le début du bâtiment. Le début du bâtiment, niveau couloir. Telles sont les chambres à roues, c'est un super cave aussi. La dalle s'est dégradée. C'est pour ça que ça s'est fait voir. Parce que c'était fait avec une matériel locale. Tout était fait comme ça. Le bâtiment même était construit pas de matériel local. Les parties entières sont faites avec du ciment. Donc, voilà comment ils ont fait la dalle. Avec le même matériel, ils ont pu faire les profondeurs de balcon. Une fois qu'ils ont travaillé, ils continuent à l'intérieur. Ils ont visé voir là-dessus. Monsieur la dalle. La dalle qui va prendre. On va attendre dans la maison des esclaves. Oui. Là, nous sommes au salon de ces professeurs à l'époque. Et ils sont en haut ici, dans les chambres. Ils s'étalent. Là, les esclaves sont sous les pieds. Ils tiennent le sol. Les meubles que vous voyez, ce sont les meubles utilisés par ces commerçants. La vie planche aussi s'est adaptée au sur les pieds de la communauté changée. Avec ces mêmes planches, ils ont pu faire les tatouages de performance de l'époque. Comme tu as su que la plupart des hommes ont fait les deux de ces commerçants. Et les commerçants, en 2006, par une association avec la tête de milieu, par l'intérêt de l'UNESCO. Bon. Le commerce d'ici, a été effectué en plein d'eau. Parce que c'était aboli. La première version de 1907, dans le traité de Bruxelles. Là, ils ont voulu continuer ici. Aussi, ils ont débuté en 1830. Et ont terminé en 1852. En 1852, la révolution a eu lieu en Afrique sous le traité de la reine d'Alfred de l'Europe. C'était un traité. Le 1954, le 27 janvier, dans le Malais, elle a envoyé des cannes d'abolition sur toute le royaume, qui se reçoit à cause. Parce que bon, il a déjà un peu de mal à la démocratie. Voilà, le 3. Mise de la canne, il a mis une cannes destinée au roi de Béziers. 8 secondes, le roi de Béziers, il a fait la canne pour cette province, qui est nommée pour tout ce bureau. Pour ce bureau, pour suivre la sécurité. C'est un homme qui n'est pas cette maison, parce que nous sommes sentis à l'aise en tant que premier. De la maison à la porte à l'époque, était à 1,500 m. Il n'y a pas de maison dans la cour, c'était à peine forêt. Mais ils ont construit une maison au niveau de la porte et du tout le campo. Quand les esclaves, ils les ramenaient depuis les zones du Togo. Même le Togo n'existait pas de nom. C'est le peuple de Rayo, les appuis pour respecter. Et puis, le groupe d'un roissier nommé le Pochissime, derrière le lac, dans le dépôt. Une fois après la chambre, il faisait travailler la route ici, et les officiers ont fait passer sur le coup de l'eau par l'heure. Et pratiquement, il allait à quatre places. Arrivé à ce niveau, ils sont accroupis, assis et fauchés. Juste le moment de tête venue pour le positionner au niveau. La condition essentielle nous mène à l'éloignement de sa terre au milieu.
actuelle Niemeyer au bord du puits. C'était le puits désenchaîné. Le bord du puits, c'est les habitants. Depuis un début de rituel, ils ont le vœu de purification. Après avoir appris le vœu, il faut le sujet du puits, cette fois. Et il est conduit le papa, la décision de la mairie. C'est là où on le revoit encore plus. L'histoire de la maison nous aide à revenir sur le parcours de cette maison. C'est l'esclave. Ils sont venus pour les racines. Vous voyez les Américains représentés de Martinique à vous. Et ils ont donné ses consorts. Ils ont formé un groupe. Depuis l'Amérique, ils ont fait le Orléans. C'est là qu'ils ont débuté la marche. Ils ont débuté le 30 mai 1998. Et ils venaient de mettre les institutions. Le début avril 1999. C'est là qu'ils venaient de ramener l'histoire de la maison. Mais une fois que l'UNESCO a eu la relation, c'est là qu'ils mettent le groupe. Et aussi, je viens de l'âge à cette maison. Et puis, ils ont trouvé les conséquences. Et il venait de terminer le poste en 2007, le 21 mai 1997. Pour le temps, quand on veut leur donner à manger ou leur communiquer, c'est là qu'on nous fait passer. C'est la fin. Alors, monsieur le président, on va communiquer par ici. Je vous souhaite de voir. À peine de 1 seconde de profondeur. Si ça vous intéresse, avant du ZIS, pour faire l'expérience, vous pouvez y aller dans la rue de Kétude. Passez-vous bon, le député vous est arrivé. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Si. Nous sommes en train de rentrer. Nous rentrons dans le trou. Vous pouvez y aller tout seul. Ouais. On peut respirer. Bon, nous sommes dans le trou. Nous sommes descendus dans le trou. Oh. Ouais. Nous sommes rentrés sous là où les esclaves étaient. Nos grands-parents étaient emportés. C'est ici qu'ils vivaient. Donc on les empiète. On les entassait ici comme des animaux. Des moutons. Des brebis. Ah, je t'assure. C'est pas confortable, hein. C'est pas du tout confortable. Non, mais c'est pas très grand, hein, voilà. Tu sens l'odeur. Oh, je suis marchée. Parce que je ne me sens pas bien. Je ne sais pas si c'est moi seule ou pas. Il y a une odeur. Il y a une odeur. Ah bon? Il faut enlever le truc, tu vas me sens. Sommes dans le... Même avec le truc, tu sens. Nous sommes dans la maison des esclaves. Oh mon Dieu, l'Afrique, c'est ouais. Pénible. C'est pas assez. Ils ne peuvent jamais se mettre debout. Non. Ils sont à couper. Ils ne peuvent pas se redresser. Ils ne peuvent pas se redresser. C'est à peine un mètre. Un mètre de hauteur. Nous allons passer par le trou. Nous allons passer par le trou. Ouais. Ici, ils sont passés par le trou. Ouais. Ils étaient entassés. Entassés. Nos grands-parents étaient entassés par ici. Mais vous voyez. Ils étaient bien entassés ici. Et ils attendaient. Ils attendaient qu'on les embarque. Vous voyez les petits trous là? C'est la porte de sortie, c'est par là qu'ils sortent. Ouais. C'est par là qu'ils sortent. Vous voyez les trous? C'est par là que nos grands-parents sortaient. Sortaient pour embarquer. Vous voyez, non? Les trois sont là. Vous voyez?
morceau de bois là, c'est quoi? Ah, ok. Dès que vous arrivez à vos enfants, ça peut aller. J'espère que tout se passe bien. Oui, tout se passe Je
Quand les blancs vont voir ça, là, ils vont venir ici. Ça va les attirer. Ça va les attirer. Quand il va le faire finir.
Le plus grand boutique, hein. Là, c'est le truc de tableau soleil. Le tableau soleil, hein. Fait en bois. Le tableau soleil fait en bois. Fait en bois, ça. Le tableau soleil fait en bois. C'est fait en bois, hein. Par l'artiste Adjé. Adjé. Oui. Voilà. Donc, si vous venez un jour à Togoville, n'oubliez pas de faire un saut chez M. Adjé pour oui. acheter le tableau soleil oui. fait en bois avec tous les statues, les animaux, la statuette et tout ça à Togo, à Bougrafo. La maison d'esclaves. La plus grande boutique. La plus grande boutique de la maison des esclaves. Oh, ouais. Ici nous avons des trucs faits en fer. Oui. Tonton fait quoi, moi? Venir voir seulement. Voir quoi, moi? Tonton n'a pas fait le programme. Vous avez fini les achats? Oui, on arrive 2 secondes. Mmh. Il est midi, c'est parti. Pour moi, je t'ai acheté quelque chose. On va marcher, la prochaine fois, là, okay. On va venir payer les tables. Okay. Moi, la prochaine fois, on viendra payer les tables, ok? Ok. Monsieur, regardez. Monsieur a acheté un fer. Oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est joli. On y va. Donc, nous quittons la maison des esclaves pour aller visiter le chef. Voilà la maison des esclaves. Nous, nous sommes underground. Bon, je vais venir, je vais venir. Moi, je vais d'abord prendre vue. Donc, nous quittons la maison des esclaves pour nous rendre